Yep, et on va ramasser ça, et ça va être bon. Moi, des armes impressionnantes. Je suis la risée de la confrérie. Il me file que de la merde. Pas te parler, hein. Non. Bref. Toi, reste là, toi. Et de deux. Et de trois. Regardez comment ils sont cons. Bravo les gars! Non, toi c'est bien toi. Ah là là. Ouais, Pathfinding est vraiment dégueulasse, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a qu'une seule bombe ici, enfin deux. Oui, menteur, t'es pissé dessus. Quand même sympa le truc d'humour qu'ils ont fait comme ça. Oh, by the way, on peut changer les textes qui s'affichent pour que ce soit bah qu'il y en ait moins ou qu'il y en ait plus. Oui, je sais encore, mais vous voyez que c'est chiant, c'est long et moi je préfère le temps et. Wow, joli tir, Farsight. Eh, je ferai au moins deux belles heures, au moins. Oh, une pute! Et... what the fuck, man? Oh, je crois que j'étais mort! Je crois que j'étais mort! C'est ridicule, hein, oui. Je te tiens, toi. J'ai flingué une pute, mais... Je savais qu'il y en avait un ici. Oh! Ok, deux. Les points d'action, je les récupère. Hop, cache-cache. Wow, shit. Il me faut... J'en ai pas! Je n'ai pas d'AK-47. Debout tout le monde. J'ai encore la place libre ici. Oh, génial, une tarte. Je suis heureux. Allez, on clique, on n'est pas timide, on clique ici. Mouais. Bon, j'ai sauvé quelques putes. Surtout une pute super mutant, ça doit exister. Non, je suis sûr que tu sais très bien. Je vois que c'est qui la pute avec lui actuellement. Ah, une pute qui est vide. Excusez-moi. Yep. Pense que ceux-là sont vides aussi. Juste par curiosité, posé par sadisme. Non. Bon. Oui, t'inquiète, je suis sûr que. Faut lui parler, hein? Non. Faut lui parler. Et y a rien, rien, rien. Oh, c'est bien ça. Allez, je peux le faire, voilà. Un super mutant intelligent. Ah, c'est vrai. Oui. Ceux qui ont joué à Fallout 1 comprennent pourquoi. Si c'est pas le cas, pour le cas. Bon. Foutons le camp d'ici.
Polka, polka, tout, 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 tout. Y a pas d'écorcheur. Hey! Prends ça, toi, mon gars. J'ai bien un truc. Ah non, c'était moi. Je me suis trouvé! Nope. Ok. Voilà. J'imagine qu'il n'y a rien en haut également. Voilà, hop, on va partir ici. Ah, je suis un connard. Regarde les belles échelles. Oh, c'est mignon. Alors, hop, hop. Juste pour voir, je suis où moi? Je suis là. Bien, à présent, où en suis-je? C'est quoi ça? Le bordel? Oh, bah oui, d'un coup, ça veut tout dire. Tout ça, c'est qu'il me reste la prison. Et la prison, le passage souterrain, l'église qui est en haut. Et le putain de ranch en bas là, ouais. Et ça, je le ferai quand même. Je vais le faire, j'y arriverai de manière d'une autre. J'ai un missile. J'ai pas oublié le missile. Ouais, ça pue du cul. Et j'ai rien. Bon. Il faut que je change d'arme actuellement, hein. J'ai un missile et je m'en servirai avec Jax si j'ai vraiment y a besoin quoi. C'est efficace et. Bon, en espérant pas taper les ghouls en passant, mais. Ça fait trop de dommages collatéraux à éviter. Fais-moi une AK toi. Hop là. Oh, vous m'oubliez pas, les gars, vous m'avez oublié! Un cimetière, l'endroit idéal pour une amb. Oh non! Casse-toi, casse-toi, vite, vite! Oh! Putain de merde, quoi! Bon, je retourne ici hors screen, mais ils sortent du trou du cul du monde, ces engins-là! Bon. Bon, cette fois je sais où ils sont. Enfin, je pense. Ils sont vers l'hélicoptère. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est pas. C'est pas un crash récent, mais. Ils sont là. Vous voyez, c'était en caché là. Et je vais donc courir comme un gros taré. Et ça devrait passer. Cours! Cours pour ta vie! Et il parle en plus! Aïe, aïe! Non, non, non! Putain! Ouh! Attaquez celui-là plutôt! Oh! Ah oh, putain! C'est plus de mon âge! Ouh! Tout ça pourquoi? Des expériences? Ah, 46 pour par écorcheur! Ouais, mais ils sont beaucoup trop costauds! Avec les armes lourdes, c'est bien plus simple! Malheureusement, vous les avez. Qu'après cet acte avec les Belwer, donc vous voyez un peu le genre, yeah. Oh, excuse-moi, mec. Allez, tout le monde debout là. Oh, excuse-moi, refouille. Et on est reparti. Donc, le cimetière. M'attends pas à tomber sur des trucs extraordinaires. Oh putain, sérieusement? Hier, c'est marrant 2 minutes quoi, de courir comme un con, mais. Bon. Faut un choix, un truc vraiment efficace pour ça. Je n'ai pas la main de raider. Chevrotine, balle perforante. Voilà, je garde ça en tête.
J'ai encore la prison à explorer aussi. Oh, il est con! Ah, ils sont couchés! Ok, c'est ma chance! Ma chance de briller! Exploiter l'adversaire! Ah, il est essoufflé! Et infirme! Je peux me venger en un contre un! Ah, sweet vengeance! C'est marqué quoi dessus là? C'est marqué. Il y a une place. À la maison? Ah, pas sûr! Oh, un coffre! Mon dieu, par quoi peut-être garder ce coffre? Va explorer toi. Toi va ici et Jack va aller voir ce qu'il y a sur le toit. Je pense qu'il n'y a rien actuellement sur le toit, mais... Piège, coffre... Ça ne fait rien. Ouh. Oh. Ok, je veux ça. Et toi, descends, quand t'étais à mettre 20 ans à tomber. Armure métallique renforcée. Sur Farsight. Voyons voir. De 19, je passe à 24. Bien mieux. Et j'ai seulement filé ça à Jax. Mon ancienne armure qui m'a quand même coûté bon, de l'argent. Tiens. Mais trop loin. Je suis généreux et gentil. Ça valait le coup, j'espère. Hop. Je ne vais pas me barrer tout de suite. Je vais me barrer par tout le long ici, voir s'il y a en tout cas la caravane qui traîne. Je vais aller à la prison aussi, si je peux y aller comme ça. Il y a une porte ici. Sinon j'irai... Oh, ok. Sinon j'irai par en dessous. Et je vais ensuite aller à la putain de grange en bas faire le ménage. Si je fais la même tactique, ça s'est fonctionné, je pense. Je fais ma tactique de loin, histoire que mes snipers tirent dessus et ça devrait le faire. Arrêtez-vous! Vous pouvez le faire, non? Impossible? Il y a du putain d'écorcheur ici. C'est du petit, mais ce qui est petit, il peut être chiant aussi. J'ai vu deux petits et un gars. Alors avant toute chose. Un gars avec une lance. Les petits sont chiants, mais moins que les autres. Est-ce que je peux ouvrir ça? Ou est-ce que lui peut ouvrir ça aussi? Oui. Et... Voilà. C'est d'abord Farsight. Là. Là. Hop, Rebecca va aller ici. En mode accroupiche. Oh, il est beau. Moi aussi. Et on va tenter le tout pour le tout. Voilà. Il doit être à l'étage en haut. J'ai pas la vision à cause de... Il y en a encore un. Oh, il est mort. Ouais, j'étais sûr. J'ai reconnu le bruit de la mort par profusion de balles. Alors... C'est qu'il y avait des gars ici. Oh, ouais. Belle UR là.
Non, ici. Ouh, y a un coffre. Ça peut être bon, ça. Non, 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 oui, c'est mieux. Non, 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 oh putain! Bon, bah, elle peut recommencer de mon côté. Ils vont me rendre fou. Ah, Dojo. Je vais faire le tour du bâtiment avant. On dirait que les écorcheurs patrouillent. Donc, rien ici. Non, je peux rien tirer de là. Je sais qu'il y en avait un deuxième. C'est quoi ça? Le truc pour le... pendaison. Verrouillé, de toute façon, il n'y a rien ici, on dirait. Donc, une tour de garde qui a rien dedans. Celle-ci, il y en a, hein. Ok, le voilà. Il y a son mec avec sa lance à côté. Je m'inquiète pas plus que ça. Ok, trop rapide. Pas confiance, pas confiance. Go, go, go. Oh l'enfoiré. L'alarme. Actuellement, c'est pas si grave que ça. Tu mourras jamais. Ok. Ah. Je suis infirme de la papate. Je ne peux pas courir, ce qui peut être chiant pour tout à l'heure où je vais devoir affronter le ranch en bas. Et on dirait que j'ai... commence à faire nuit. Mon écran a plus de batterie. Non. Il commence à faire nuit. Bon, je suis blessé à la jambe donc. Hein. Personnage. Jambe gauche infirme. Et empoisonné. Waouh. Bah ok. Je pense que j'ai fait le tour. Il doit rester quoi? Deux gars à l'intérieur à tuer au pire. Donc je vais tuer le gars parce que ici c'est, j'ai la meilleure chance de l'avoir là. Et on va récupérer toute la merde. Qu'est-ce qui a tiré? On a eu un coup de feu. Pas de bureau. Vous voulez vous battre, humain? Oh. Alors battez-vous avec moi. Je vais arracher la chair de vos os. Cette ville est à moi. Ah. Dans ta gueule. Tu connais chasse taupe. Oh. Mauvaise nouvelle. Vite. I can do it. Bon. Ça suffit, c'était marrant mais...
Faut que... Elle monte ici aussi. Putain! Dia de merde! Ah, oh, come on! Mais... C'est vraiment con, hein. Vraiment, c'est chiant, même. Putain, mais sérieusement! Juste là! Merci! Vingt-cinq. Neuf. Et il reste deux connards ici que je peux faire probablement très simplement de là. Yep. Quelques derrière, on va juste la tirer avec le flingue. Voilà! Il me faudrait d'autres balles quand même, hein, parce que là. J'ai un peu au bout du rouleau. Rien ici. Alors toi, redescends. Voilà, hop! J'espère que je peux ouvrir au moins ça. Donc c'est lui qui a la clé sûrement. Ah. C'est sûr que c'est lui qui a la clé. Maître des Belluaires, hein. Oh non, actuellement. Félix Stills. Je sais pas qui c'est. Oh, j'ai... J'espère que c'était pas un mec à sauver parce que bah, j'ai pas réussi. Toujours pas la clé par contre. Je vais pouvoir la crocheter. Oula, ouais, une tonne de bastos. Hein. Le bel air qui était là. Hop. Donc ici c'est verrouillé. Où vas-tu, Farsight? Ici que tu vas, toi. On n'est pas fini avec toi. Prends-moi les munitions, c'est ce qu'il y a de plus important. T'as qu'à la clé, peut-être? Non. Ah. Pareil que ça marchera pas. Ah. T'as pas une clé, Jax? Non, pas de clé. Rebecca, pas de clé. Pas de clé. Je suis le maître des clés, et pourtant on ne peut pas ouvrir ça. Comment se fait-ce? Où était le trou qu'il y avait pour sortir d'ici, dans les catacombes? Oh, dans le souterrain. Ça n'a pas l'air d'être là. À moins que... Un petit endroit ici. Où je n'ai pas été. Ça sert à rien. On peut ouvrir le reste. Verrouiller. Que c'est ça? Oh, ok. J'avais cru que c'était un de ces putains de trucs. Ah, vous savez. Alors, piège. Ça ne fait rien. Ouh. Je sais pas c'est quoi, mais. FM Neostat, fusil de combat. On ne fait rien. Combat rapproché. Écorcheur. Yes! Je dis oui! Ceci va grandement me servir. J'oubliais que j'avais ça actuellement ici. Bien!
J'aimerais juste soigner ce gars parce que. Qui c'est qui a plus de médecine ici? 14, 11, 15. Pourquoi j'ai autant que ça? Aucune idée. Peut-être bouffer un truc pas net. Il faut te guérir. Oh, je suis tellement pourri que je le blesse en le soignant. Eh mais tu vas crever mec, à cause d'elle. Ce serait drôle, mais pas trop quand même, pas trop. T'es vraiment sérieuse? Faites ton mieux, merde. Il est handicapé, tu peux même pas courir, il peut rien faire. Échec. Ah. Ah, oh, come on. Bon. Bah écoute, celui-ci est indisponible pour l'instant. Il va pouvoir servir à rien du tout. Complètement guéri. Bah là, moi, ce mérite là. Si tu sers à rien, file-moi un peu de munitions quand même. Non. Bon. Alors. J'ai donc tout fait dans le coin. Il ne me reste plus qu'à libérer ces putains de ghouls, de ces saloperies. Donc, Et si j'ai récupéré ma voiture, je crois. Où est ma voiture? Elle est pas là? Non. Bon, on a pas besoin de voiture alors. Ok, je vais donc enregistrer. Je vais laisser ce gars-là à côté, ça ne sert à rien pour le moment. Hein? Un petit père? Je vais mettre mes deux snipers quelque part qu'elles puissent servir quand même. Et moi, je vais probablement courir partout pour pas me faire toucher et les flinguer comme j'ai fait. Donc, sérieusement, elles sont. Vous n'êtes pas blonde, vous avez aucune excuse! À moins que ça me touche raccourci qui leur déplaise, mais. Il y en a vraiment trop, hein. 210 points de vie, 120, 120, 120, 120. Je suis pas obligé de le faire, mais je vais quand même le faire. J'avais des grenades aussi, je crois. Hein. Qui avait les grenades? Attends, file-moi lance-missile. Le missile. Et je me débarrasse. Oh oh. Je crois que. Ça tire un petit peu. J'espère. Non. Oh, je pourrais me mettre là. Ouais, c'est bon ça.
Allez! Ça va, je peux le tanker! Je peux tanker! Oh, il l'a eu! Bien joué! Je peux l'écouter en plus! Votre puissance de feu est impressionnante! Non, menteur! Je dois vous remercier pour votre aide, mais peut-être pourriez-vous nous rendre encore un petit service. Ces maudits cannibales ont enlevé mon frère Gorgi et l'ont emmené dans le secteur nord du quartier des Goules. Quand on voit avec quelle rapidité vous avez éliminé ces saloperies, cela ne devrait pas vous poser de problème. Rapide, vraiment. Mais je vois où tu veux en venir, mec. Je vois où tu veux en venir. Ils ont kidnappé ton pote. Et il faut le sauver. Bon. Tout ce que je fais ici, ce n'est pas dans le vent. Hein, bien sûr. Je vais forcément récupérer l'expérience sur les kills. Bon, ça encore, on s'en fout. Mais j'ai également débloqué de l'aide ici. Beaucoup d'aide. Non! Je l'ai eu! Oui, oui, barre-toi, barre-toi! Loufoule! Quels inventaires sont pleins et lesquels ne sont pas? Tout le monde est plein, on dirait. Enfin, moins un peu moins maintenant, mais. Ouh, les munitions, ça s'avérera bien, ça. Non. Ça, je m'en fous de ces munitions-là. Je vais quand même les prendre par principe, mais. J'en ai beaucoup et les dégâts sont vachement réduits, donc. Il me faut des munitions perforantes, ces enfoirés. Ou de l'antipersonnel. Et j'ai un truc idéal pour ça, mais je l'ai pas actuellement maintenant, mais. Bien, maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à fouiller les pillards restants. Et à vérifier aussi 2-3 bricoles avant de partir. Take that. C'est quoi ça? Je sais pas, mais je le prends. Dard de guêpe. Oh, ok. On a mon corps à corps, hein. Il y a des ghouls qui sont mortes aussi, je peux les fouiller. On voudra sûrement pas. Merci les amis, pas de soucis. Je suis juste mort au moins 5 fois avant d'y arriver, mais c'est pas grave. Il y a une ghoul qui est là, hein. Ouh, yep. Un bon cadavre ça. Bon cadavre, bien, good boy. Ah non, c'est le pack qui était. Qu'on vient de sauver en fait. Yep, non, il était là. Ah, il est dehors, hein. Bon, fouille-le! Va te faire chier, là. Ouais, Gorgi est presque mort, mais. Pff. Je récupère un peu le steampack, il a quand même claqué pas mal tout à l'heure, et. Ouais. Couteau de combat, hein. Dégagez le passage. Ouais, toi, attention, t'as presque blessé, je peux te tuer si je veux, hein. Je ne sais pas comment vous remercier. Je viens d'apprendre que vous avez tiré d'affaire cet imbécile de Gorgi. Étranger, j'ai une dette éternelle envers vous. Si vous acceptez des ghouls dans vos rangs, nous serions honorés de nous engager dans votre confrérie. Voilà, l'intérêt de faire ceci, c'est qu'à présent, j'ai débloqué bon, de l'expérience pour filer un coup de main, tout ça. Là, ce joli petit chiffre là, ouais, c'est l'expérience gagnée avec cette quête là. Et donc, j'ai également aussi débloqué, bah, de. Et vous savez quoi, ça me fait chier de faire tous ces trucs là. En revanche, je vais parler au maire par contre. Que le maire va sûrement me dire oui, bravo, vous avez sauvé tous les villageois qui traînaient là-bas, compagnie. Donc, ouais.
Voilà. Hop, ces trois-là, on va les mettre ici. Alors, il me semble que j'ai accès à toute la sortie du jeu, peu importe où je vais. Donc, s'il y en a trois en haut et un en bas, ça marche quand même. Mais j'ai un doute. La seule chose que j'ai pas réussi à faire ici, c'est à sauver le mec qui était sur le toit avec l'autre gars. Donc, je pense que c'était une erreur, mais j'ai fait ce que j'ai pu quand même. J'ai sauvé beaucoup de meubles, beaucoup de gens. Ah, tu me parles pas, hein? Ok. Ah, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Bon, je me casse d'ici alors. Hein. Ça va pas être trop long, je devrais attaquement courir jusqu'au bout. Voilà. Moi, je suis handicapé. J'ai récupéré par la suite beaucoup de stuff. Une grosse armure. Ce fusil de combat qui va être vraiment efficace. Chevrotine. Je prendrai des munitions perforantes. Des munitions antipersonnelles. Je pense que ceux-là sont quand même costauds, mais je pense qu'ils ont pas d'armure. C'est une carapace chétineuse, donc... je pense que les munitions antipersonnelles devraient suffire pour ça. Donc, voilà. Donc, on va voir le résultat final. Qu'est-ce que j'ai foiré, qu'est-ce que j'ai réussi. Mais ouais, cette mission-là pue. Est puée du cul, littéralement. Bien joué, guerrier. Bon, voyons voir. Vous vous êtes extrêmement bien débrouillé étant donné les circonstances. Votre finesse tactique, alliée à votre capacité à évaluer la situation, ont permis d'éviter la mort de la plupart des otages. La Après plupart. Un temps de récupération, Quincy deviendra une fantastique réserve de ressources pour la confrérie. Bien. Bien joué, guerrier. Des informations récentes signalent que les Belluaires partagent l'appétit pour la chair humaine de leurs monstrueux alliés. Cette abomination ne sera pas tolérée sur le territoire de la confrérie et doit être rapidement éliminée de manière permanente. Nos scribes sont très curieux à propos de cette relation symbiotique oui, c'est qui vrai, existe oui. entre ces hommes et les écorcheurs. Nous allons devoir essayer de récupérer plus d'informations pour que les scribes puissent donner une explication satisfaisante à ce phénomène. Les ghouls de Quincy ont été fascinés par le fait que vous vous soyez évertués à les protéger comme vous l'avez fait pour les humains. La conséquence directe de cet acte est que des ghouls demandent à présent à être enrôlés dans la confrérie. Hey. Bien que je ne pense pas que les ghouls soient génétiquement capables de servir la confrérie, les anciens croient que leur résistance inhérente à certaines toxines peut compenser leur constitution affligeante. Je prie pour que la confrérie puisse rester pure en dépit de cette souillure. Rompez. Bah, au final, c'est bien, c'est pas bien. C'est censé être bien. Maintenant, faut retourner en ville, sans me faire défoncer la gueule en route. Jamais! Nice. Oui, la voiture fait du bruit, même si je ne suis plus dedans. Bon. Oui, maintenant que j'ai récupéré des ghouls, bah, il y en a ici. Et nous avons même aussi Bradley qui est parmi nous. Je sais pas qui c'est Bradley, quoi. Si vous connaissez un Bradley, dites-le moi. Hey, Bradley! Eh, touche pas à ça, que t'es main dégueulasse. Hey, soldat! C'est vous qui avez sauvé Quincy des griffes de ces Belluaires. Je suis heureux de faire votre connaissance. Je m'appelle Bradley. C'est plutôt rare que des sang-purs risquent leur peau pour sauver des ghouls. Tu me fais peur, mec. Quand je vous ai vu au travail, j'ai compris que je devais entrer dans la confrérie. J'espère avoir l'honneur de combattre un jour à vos côtés. D'accord. Troc, qu'est-ce que tu vends? Quelques munitions. Beau mal de crédit. Anti-venin. Et une seconde, mec. Parier, c'est pareil. Bah, plus ou moins, donc... bon. Faut me faire soigner, moi. Je suis infirme et là, t'es... il peut pas marcher. Ah, excuse-moi, mec. Faut que je prenne quelques... trousses de soins. Genre ça. I don't care, man. I just want the... fucking... Wow, shit. Ça sort vraiment blanc, le vaudou. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais vendre de plus, moi? La poudre. Quoi d'autre aussi? Ça. Je perds 150 dollars. Est-ce que je peux... Voilà. Oui, c'est bon.
Ah. Bien. Je prends ma prochaine mission. Je vais voir un peu ce que vend l'autre avec son inventaire en bas. Et en... quand on va venir, je vais être soigné, frais, dispo. Ça va être bien. J'ai gagné un niveau entier ici. Voire même deux depuis tout à l'heure. C'est énorme. Je suis à combien? Waouh, 20 000. Ok, bah, c'est beaucoup. Voyons voir. Que je peux lui acheter. Troc. Alors. Fléchette. Des points de creuse, je crois. Magnum. Deux armures métalliques. Ça me servira bien mieux que mes armures en... Enfin, bien mieux en... entre guillemets. Et c'est tout. J'ai pas d'autre truc qui... Waouh, 40, je n'ai vendu 48 quand même. Ah. J'ai ceci. Munition antipersonnelle pour chevrotine. Très efficace. J'espère que ça me sauvera la vie contre ces enfoirés. Et... coûte cher ça? Non. Mais une bouchée de pain. Et l'autre c'était quoi? Flechette. Oh nope. Ouh, j'ai accès... Ah non, c'est le truc que... Hein, ça va... coûter cher. Point de creuse, ça pourrait servir. Ouais, ça coûte pas si cher que ça au final, donc... bon. Allons prendre notre prochaine mission. Et on se quittera par la suite. Oh, pendant que j'y pense aussi. Vous voulez voir un peu à quoi ressemblent nos recrues ghouls? On va jeter un petit coup d'œil. Les ghouls sont différents des humains, bien sûr. Leur, des dons qui sont uniques à leur espèce. Recruter. Ou... ouais, les ghouls sont là, hein. Alors, nous avons... Babes. Extrêmement belle. Ah, pour une ghoul, ok. Non, c'est une femme. L'art du vol. Ok, donc elle va être discrète. Crochetage et vol. D'accord. Cours sur pattes, technicien. Oh, t'as une sale gueule. D'accord. Pas si mal, hein, pour autant. Donc, souplesse, maître voleur. D'accord. Voleur riche pour donner aux pauvres. Ah non, pour donner vous-même. Encore mieux. Ouh, 87 ans! Ok, bah, je sais pas que les ghouls avaient une vie prolongée. C'est intéressant à savoir. Billy Bob. C'est pas le mec que j'ai sauvé, ça? Non. Non, c'est Boy 64. 12. Perception. Ok. Agilité. Oh, 4 agilités, hein, malheureusement. Ouais, bon, t'es pas très beau, hein. Waouh, c'est un monstre, 12. C'est OP. Lumineux. Oh merde! Pas cool ça! Trompe la mort, vous avez trompé la mort, vous venez de nous. Oh oh. Fourre-tout, cascadeur. Intéressant, parce qu'il est armé énergie. Bon, on n'a pas ça avant très longtemps. Mais voilà, donc bon. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Et allons prendre notre mission, c'est raté, que ça fait certainement très longtemps que je fais cette mission et. Franchement, elle est bien dure. Bah, hey! Ok, putain, je suis coincé dans les murs invisibles. Ouais. Les pillards, difficulté du jeu, bah, c'est simple, ça va. Maintenant, les BLR, ça commence à taper du lourd, vraiment. Oui, t'as raison. Bienvenue, guerrier. Bon. Notre mission n'est pas encore terminée. Nous savons à présent que l'antre des BLR se trouve dans un labyrinthe souterrain de la région de Mardine. Les cannibales ont suffisamment retardé notre expansion. Votre objectif principal est d'exterminer ces abominations afin que la confrérie puisse passer à autre chose. Nos scribes pensent avoir découvert quelque chose qui pourrait vous aider au cours de votre mission. Ils pensent que les Belluaires ont trouvé un moyen de contrôler les monstres des groupes d'assaut. Ouh. On suppose que ce contrôle des créatures est possible grâce à une forme de symbiose, ou peut-être même par suggestion télépathique. Ce qui reste un mystère, c'est la façon dont ils arrivent à contrôler des écorcheurs intelligents. En effet, les études des scribes insistent sur le fait que seules les créatures dotées d'une intelligence limitée sont susceptibles de succomber à la force qui les contrôle. J'ai pas compris. Ceci nous amène à votre objectif secondaire.
Si nous parvenons à apprendre comment contrôler ces écorcheurs et à les utiliser pour servir la cause de la confrérie, nous pourrions probablement réussir à étendre notre zone d'influence jusqu'à la côte ouest. Côte ouest. Cependant, ne laissez pas cette possibilité vous détourner de votre objectif principal. Rassemblez votre escouade et partez au... Ta gueule. Ok. Bon... Bah... En aidant tout le monde, on a appris ça sur les Belair, et donc il serait à la tête d'une armée de psychos là. Donc ça va pas de l'attaque, parce que mission prochaine, je m'attaque au QG des Belair. Qu'est-ce qu'il y a au QG des Belair? Des écorcheurs plein. Donc je vais me préparer rigoureusement et bien efficacement. Donc je vous quitte là, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite bonne chance et également une bonne fin de journée.